Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents à ce conseil municipal. Il est 20h et je déclare la séance ouverte. Merci à toutes et tous d'être là. Il y a un public en nombre ce soir. C'est chouette. J'espère que vous êtes aussi présents sur les réseaux sociaux. La convocation et le dossier ont été transmis par mail du 29 novembre, accompagné du projet de notice explicative et de la délibération est remis en format papier, comme d'habitude, aux membres du groupe Épinay Demain. Je procède à l'appel. Olivier Marchaud. Présent. Laurence Castin. Présent. Vincent Gallet. Présent. Brice Walter, excusé, pouvoir à Nathan Fabreau. Christiane Martin. Franck Barrière. Présent. Sylvie Panzani. Présent. Nathan Fabreau. Présent. Serge Duchesne. Présent. Anne Chabria, peut-être en retard. Christian Marais, Hélène Lequeux, Marie-Laure Luthier, excusé pouvoir à Sylvie Panzani, Jean-Marie Schiltz, présent. Christophe Randouin, excusé pouvoir à Séverine Le Poulain, Christelle Bourdou, excusé pouvoir à Muriel Dorland, Olivier Gallet, présent. Séverine Le Poulain, Ghislain Didry vient d'envoyer un pouvoir par mail, je ne sais pas s'il a été reçu. Alors, il m'a averti qu'il avait adressé un pouvoir, on vérifie. Sandrine Bouvier. Ah oui, extinction de voix, pardon. Elle est bien présente. Thomas Turquie. Présent. Gilles Dugast. Présent. Pauline Desailly, excusée, pouvoir à Olivier Marchaud. Sophie Gaudry, excusée, pouvoir à Laurence Castin. Omar Haddad, excusée, pouvoir à Franck Barrière. Monique Draghi, excusée, pouvoir à Hélène Lequeux. Sébastien Blottière, excusé pouvoir à Pascal Legouge, Corinne Béras, Pascal Legouge, Mélanie Dorlancourt, excusé pouvoir à Corinne Béras, Adrien Futol et Maurice Legouge. Bien, je constate que le quorum est... Voilà, Anne Chabria, présente. Merci Anne. Je constate que le quorum est atteint, la séance peut valablement délibérer. Je vais commencer par une communication relative, une communication pour Madame Brigitte Cochon qui nous a quittés récemment. Madame Brigitte Cochon nous a quittés le dimanche 23 octobre dernier après un long combat face à la maladie. Jusqu'au bout, infatigable, elle se sera mobilisée pour les autres. Je souhaite rendre hommage ici même à une grande dame qui a œuvré au sein des associations spinoliennes depuis plus de 20 ans au Conservatoire, puis chez Renaissance et Culture, ainsi qu'au Conseil de quartier Centre-Ville Haut Gravier Petit Vaux. Un parcours qui avait été mis à l'honneur lors du séminaire des associations en octobre dernier. Le Conseil municipal se joint à moi pour témoigner toute notre reconnaissance à Madame Brigitte Cochon. Et nous adressons une pensée particulière à son compagnon de route de toujours, Jean-Loup Cochon, à sa famille, ainsi qu'aux très nombreux spinoliens et bénévoles qui l'ont côtoyé. J'ai ensuite une communication à faire ici concernant les dossiers de demande de catastrophes naturelles. Pour la deuxième fois, celle du mois d'août, du 16 août de mémoire, a été reconnu, le 16 août, je ne sais pas si vous étiez tous là, mais il y a eu un épisode orageux assez important avec quelques débordements par ruissellement d'eau de pluie. J'avais fait une demande d'arrêté de catastrophe naturelle, ce qui a été accepté par la préfecture. Donc tous les spinoliens concernés ont été prévenus, soit par mail quand on avait leurs coordonnées, soit, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, le site internet, les journaux électroniques d'information, pour leur dire qu'ils disposaient de 10 jours pour saisir leur assurance s'ils souhaitaient se faire indemniser. D'autres communications, et je donne la parole à Nathan Fabreau.
Merci Madame la Maire, bonsoir à tous. Une première communication qui concerne les conseils de quartier. Les conseils de quartier ont été lancés à Épinay-sur-Orge en mars 2021. Et au bout de cette première année et demie d'action, la municipalité avec les conseils de quartier a entrepris une série d'ateliers bilan avec les conseils de quartier pour faire le point sur cette action de démocratie participative. Pour rappel, les conseils de quartier ont un rôle de lien avec les habitants et également d'animation de la vie des quartiers. Et ces trois ateliers, même quatre ateliers, ont permis de faire le point sur cette action qui donnera lieu à une nouvelle charte de fonctionnement qui sera travaillée avec les membres et qui pourra être débattue lors du prochain conseil municipal. Donc c'est la première information. Et la deuxième information concerne l'épinéton qui a eu lieu ce week-end et qui a réuni de très nombreuses associations, qui a mobilisé les services municipaux et également les commerçants. Et cette communication pour vous informer que nous avons atteint plus de 6600 euros au profit de la FM Téléthon. Donc c'est un montant qui se maintient d'année en année et on tient à remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des services mobilisés, tous ceux qui ont participé, les spinoliens qui sont venus sur toutes les animations pour faire de cet épinéton encore une fois un grand succès de solidarité. Merci. Voilà, ça c'était voilà pour les communications. À présent, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées lors du précédent conseil municipal. La première était posée par Monsieur Pascal Legouge qui demandait un tableau récapitulatif précisant par chantier la redevance d'occupation du domaine public versée par les constructeurs et promoteurs depuis 2021. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Soit on la projette si c'est possible, soit je me lance dans une liste à la Prévert de tout. On va projeter. Voilà, donc pendant qu'on recherche le document, je peux vous dire qu'en 2021, les redevances d'occupation du domaine public, qu'on appelle dans le jargon RODP, ont rapporté 120 491,23 €. Et pour 2022, qui n'est pas encore terminé, 234 587,63 €. Voilà, donc vous avez le détail, rue par rue, avec le nom de l'entreprise, le descriptif, la date et le montant correspondant. Est-ce qu'on l'aura par écrit ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'était pour la première demande. On peut peut-être descendre un peu sur 2022. La deuxième question était posée par Maurice Legouge qui demandait le nombre d'adhérents de l'association Percugaga. Et la réponse est 15 adhérents. Je désigne un secrétaire de séance, Jean-Marie Schiltz. Merci Jean-Marie. On passe à l'approbation du compte-rendu de la séance du 27 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je n'en vois pas. Je mets... Ah, Maurice Legouge. Juste un complément d'information. En page 5, vous dites que vous reviendrez vers nous concernant les conformités de l'agglo. Avez-vous progressé sur le sujet ? J'ai failli progresser puisqu'une date de réunion était prévue au mois de janvier, mais la personne qui a été embauchée au mois d'août a donné sa démission et est repartie. Donc j'essaye de trouver une autre solution, mais je n'oublie pas. Donc je mets au vote l'approbation du compte-rendu de la précédente séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Non. Oui, j'ai un pouvoir. À l'unanimité, merci. Alors, on va passer ensuite à l'ensemble des délibérations. La première concerne les modifications des statuts de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Une première modification était intervenue le 2 septembre 2021 pour prendre en compte le déménagement du siège de la communauté d'agglomération et sa nouvelle adresse postale, dans la même enceinte à Orsay, mais juste quelques numéros plus loin. À présent, il s'agit d'intégrer la compétence infrastructure de recharge des véhicules électriques IRVE. Donc les statuts doivent intégrer cette nouvelle compétence.
Et pour mémoire, les statuts ont été successivement modifiés pour élargir les compétences à l'eau, l'assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines. Ce transfert s'est opéré de plein droit. Et pour intégrer la compétence d'aménagement d'aires d'accueil de gens du voyage, donc ce qui est nouveau, c'est la mise à jour de ces statuts. 20 communes ont ainsi délégué la compétence IRVE à la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Les 7 autres n'ont pas souhaité le faire, dont Épinay-sur-Orge, puisque nous sommes adhérents pour cette compétence depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, au SMOIS, et nous souhaitons y rester, puisque nous sommes satisfaits des services de ce syndicat. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques ? Je n'en vois pas. Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. La deuxième délibération concerne le rapport d'activité 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de la communauté d'agglomération toujours. Cette compétence est exercée depuis le 1er janvier 2016 pour la collecte et le traitement des déchets par 3 syndicats, le SIOM, le CIMACUR et le CIREDOM, auxquels Épinay-sur-Orge est adhérent, je vous le rappelle. Le rapport annuel fournit une vue d'ensemble des activités de l'établissement et notamment les éléments relatifs au prix et à la qualité du service public et de la collecte des déchets. Je pense qu'il s'agit d'une prise d'acte. Oui, tout à fait. Donc, je ne mets pas au vote puisqu'il s'agit d'une prise d'acte. Maurice Legouge. Je constate que dans le nouveau quartier de la Croix-Ronde, les cartons s'empilent toutes les semaines. À chaque fois que je passe qu'une fois par semaine par là, mais il y a des tonnes de cartons qui restent derrière les bornes. C'est bien la centralisation à l'agglo, mais ça devrait être nettoyé de temps en temps. Plusieurs choses par rapport à ce point irritant, et je vous remercie de le soulever. Effectivement, alors non seulement les services sont en contact toutes les semaines avec les services de la communauté d'agglomération et le CIREDOM aussi en direct pour le ramassage des cartons. Il faut savoir que dans ce nouveau quartier, les gens arrivent avec des déménagements, donc ils arrivent tous en même temps et forcément la quantité de cartons est importante. Hein, il ne s'agit pas juste d'une famille, mais de toutes les familles qui arrivent. Il y a un petit peu d'incivilité aussi, faut bien le dire. Et puis dernière chose, oui, effectivement, il y a des cartons, mais ils sont enlevés très régulièrement. Un courrier dans les boîtes aux lettres pourrait leur rappeler que la déchetterie est là, ouverte tous les mercredis et tous les samedis, et qu'il y a une benne à carton. C'est prévu. Sylvie ? Je veux bien compléter. En effet, il y a eu plusieurs constats de débordement de cartons liés aux emménagements des nouveaux habitants du quartier. Et donc, il y a eu un rappel à l'ordre de fait, alors non seulement auprès de l'aménageur, qui a la responsabilité de demander aux opérateurs, au moment de la livraison de leur logement, d'installer des bennes pour justement faciliter la dépose de ces cartons. Donc, à plusieurs reprises, ce rappel à l'ordre a été fait auprès de l'aménageur et auprès des propriétaires des bâtiments concernés, donc à savoir CDC Habitat pour les 80 logements et Immobel pour la copropriété. Donc le syndic de la copropriété a également été contacté pour rappeler aux copropriétaires ou aux occupants de ces programmes de faire attention au moment de ces déposes de cartons. Même si on comprend qu'il y a un volume de déchets important à ce moment-là, il faut quand même rester respectueux de son environnement. Alors, tu veux répondre, Sylvie, parce que... Après... Le programme immobilier a été fait comme ça. Hein.
Il a été fait comme ça et... Non, mais de la pédagogie, évidemment. Il y a de la pédagogie à faire. Oui, mais c'est ce qu'on fait, la pédagogie. Mais non. La pédagogie est faite, je tiens à le dire. Ça occupe les agents communaux concernés toutes les semaines. Certes, il y a des cartons. Ça va s'améliorer au fur et à mesure que les familles vont s'installer. On en est bien conscient. Voilà. Donc, je pense avoir répondu. Sylvie, tu veux ajouter quelque chose ou pas? Voilà. Bon, je pense qu'on a répondu à la question. Donc, il s'agissait d'une prise d'acte. Donc, il n'y a pas de vote. Le point suivant est le rapport d'activité du syndicat mixte d'énergie Orge Yvette Seine, le fameux SMOIS dont on parlait tout à l'heure. Qui exerce la compétence IRVE depuis, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques depuis 2016. Le rapport d'activité retrace l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de cet établissement. Je rappelle quelques faits marquants en 2021, l'intégration du SMOIS au pôle Énergie Île-de-France, au pôle, pardon. Énergie Île-de-France, l'adhésion du CIARS, de l'établissement public Grand Orly, Seine-Bièvre et du Siégras, ainsi que de la commune d'Épinay-sous-Sénart au SMOIS, le lancement de la procédure du groupement d'achat énergie, gaz et électricité. Le SMOIS est lauréat de l'appel à projet Acte 2 Merisier permettant de financer les études et les travaux de rénovation des écoles pour le compte des communes volontaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires sur des prises de parole sur ce sujet, Maurice Legouge? Dans le temps, dans les années précédentes, le SMOIS était le seul syndicat qui rapportait de l'argent à la commune et qui n'en coûtait pas. Qu'en est-il en 2021? Je répondrai à votre demande, à votre question au prochain conseil. Là, j'avoue que je ne connais pas le chiffre par cœur. Et... Non, les redevances, on ne connaît pas les chiffres. Oui, on ne connaît ça pas. Ça ne coûte rien, c'est sûr. Voilà, on vous donnera ça à la prochaine séance. Merci. S'agissant d'une prise d'acte, à nouveau, il n'y a pas de vote. Donc, on prend acte ici de ce rapport d'activité. Pour la quatrième délibération, je laisse la parole à Franck Barrière. Bonsoir. Je vais vous présenter donc la délibération relative à la convention territoriale globale. Il s'agit du nouveau partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de l'Essonne. Jusqu'au 31 décembre 2021, la commune d'Épinay-sur-Orge avait conclu un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de l'Essonne par la signature d'un contrat enfance-jeunesse. Ce contrat d'objectif et de financement avait pour but de contribuer au développement de l'accueil des enfants et des jeunes en favorisant le développement et l'amélioration de l'offre de l'accueil et en recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes au travers d'actions. Depuis quelques années, les CEJ sont progressivement et au fil de leur renouvellement remplacés par les conventions territoriales globales, donc CTG. Ce nouveau cadre contractuel d'une durée de 4 à 5 ans est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire sur tous les champs d'intervention mobilisés par la CAF. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, le handicap, le logement, l'inclusion numérique et l'accompagnement social. Au cours de l'année écoulée, un travail de diagnostic partagé avec une définition des axes prioritaires pour chacun des champs d'intervention de la CTG ont été menés à bien. Le diagnostic a été validé lors du comité de pilotage du 16 juin 2022, ainsi que les axes prioritaires qui sont les suivants. Pour la petite enfance, répondre à la hausse des demandes d'accueil, s'adapter aux besoins d'accueil des familles. Pour l'enfance, proposer des projets diversifiés en permettant à l'enfant de se construire pour devenir citoyen. Favoriser des organisations qui permettent la gestion de l'individu et sa prise en compte, allégeant les contraintes dues au groupe. Créer et développer du lien avec les familles. Anticiper l'arrivée des familles et les nouveaux besoins en accueil.
Pour la jeunesse, rendre visible et promouvoir les actions et projets, couvrir les besoins et permettre l'adhésion des jeunes de toute tranche d'âge, rapprocher l'information auprès des jeunes, accompagner les jeunes dans leurs projets, faciliter les accès aux droits des jeunes. Tout ce qui concerne les aides sur les déclarations, l'information sur les dispositifs à destination des jeunes. Concernant la parentalité, mieux connaître les besoins des familles pour les accompagner d'une façon efficace, contribuer à l'épanouissement des familles. Concernant l'accès aux droits, lutter contre la fracture numérique, développer la communication sur le territoire pour rendre le CCAS plus visible, développer le partenariat. En conséquence, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire, avant la fin de l'année 2022, à signer la convention territoriale globale avec la CAF pour une durée de 4 ans, à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Je soumets donc au vote cette délibération relative à la convention territoriale globale. Merci. Des commentaires ? Des interventions ? Je n'en vois pas, je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Donc il faut savoir que cette convention est extrêmement importante puisqu'elle permet, hein, comme on l'a dit, le financement de la plupart de nos projets. Donc c'est une source de subvention essentielle. La délibération, les deux suivantes sont des sujets de finances et je donne la parole à Laurence Castin. Bonsoir. Donc la première délibération est une délibération qui revient chaque année au mois de décembre, qui est l'autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget principal de 2023. Donc dans l'attente du vote du budget, la commune peut décider d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite de 25% des investissements budgétés l'année précédente. En principe, toute opération nouvelle d'investissement doit attendre que le budget primitif soit voté. Or, certaines opérations d'investissement peuvent être engagées sans attendre cette échéance. En effet, l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales permet de faire face à ce type de situation. Il précise que jusqu'à l'adoption du budget, ou jusqu'au 15 avril, nous, normalement, ce sera le CM du 28 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur l'autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants seront bien sûr repris et inscrits sur le budget principal 2023 lors de son adoption. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Compte tenu de ce qui précède, donc, il y a un petit tableau qui détaille donc, par chapitre les dépenses prévues au budget primitif et la décision modificative de 2022 en immobilisation corporelle, subvention équipement versé, immobilisation corporelle et immobilisation en cours. Donc à chaque fois, on retient un quart de ce montant qui seront les investissements maximum engagés d'ici au 28 mars. Voilà l'objet de cette délibération. Merci. Des questions, des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 6 abstentions. Et qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. Oui, ils se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre. Non, mais vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Alors. Délibération suivante, reversement de la taxe d'aménagement, c'est ça, je ne me trompe pas, hein. Oui. De la taxe d'aménagement à la communauté d'agglomération Paris-Saclay, détermination des modalités. Laurence Castin a la parole.
Donc cette délibération concerne la taxe d'aménagement, qui est normalement un impôt prévu par les communes et le département. Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments, des installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, permis d'aménager et autorisation préalable. Les recettes de cette taxe permettent ainsi de financer des équipements publics. Jusqu'alors facultatif, le partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire, tel que prévu à l'article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article précise en effet que si la taxe d'aménagement est perçue par les communes membres, un reversement à l'EPCI de tout ou partie du montant perçu est obligatoire, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences respectives. Le calendrier de mise en œuvre de cette nouvelle disposition est le suivant. Donc, il faut délibérer pour 2022 avant le 31 décembre 2022, pour 2023 également avant le 31 décembre, jusqu'au 31 décembre 2022, et pour les années 2024 et suivantes avant le 1er janvier de l'année précédente. Les 27 communes membres ayant institué un taux de la taxe d'aménagement et la communauté d'agglomération doivent donc, par délibération concordante, définir les reversements de la taxe d'aménagement communale à l'EPCI. Pour donner suite aux différentes réunions de travail pilotées et conformément au bureau communautaire du 9 novembre 2022, l'agglomération de Paris-Saclay et ses communes membres se sont accordés à adopter le principe de reversement suivant par commune. Pour 2022, 1 euro par commune. En 2023, un taux unique de 5% pour toutes les communes, calculé en fonction d'un ratio des investissements bruts des communes et de l'agglomération. Des travaux ultérieurs définiront les modalités de partage de la taxe d'aménagement à compter de 2024. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les modalités de versement du produit de la taxe d'aménagement par commune membre à la communauté d'agglomération Paris-Saclay pour les exercices 2022 et 2023 mentionnés ci-dessus. Je voudrais compléter hors délibération que... au Sénat, que les sénateurs ont proposé, et ça a été voté accepté à la majorité au Sénat, de revenir sur les modalités précédentes qui étaient le caractère facultatif de ce reversement. Mais comme vous savez, la loi de finances est toujours en cours de discussion. Donc finalement cette... on revenait aux modalités antérieures, ce qu'on vote ce soir serait devenu caduc. Donc nous votons là, chaque commune doit voter et l'agglomération, le conseil communautaire a lieu le 14 décembre et donc à moins que la loi soit passée avant le 14 décembre, sinon l'agglomération également votera ce texte-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Non. Merci Laurence. Un sujet de crispation et d'agacement, je peux vous le dire, puisqu'on en a discuté en bureau communautaire. Bon, on ne va pas épiloguer puisque le dispositif risque de ne pas aller à son terme. Puisqu'il s'agit de pertes supplémentaires sur les budgets communaux. Bref. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. À l'unanimité, merci. La délibération suivante devait être présentée par Sophie Gaudry, je vais m'en charger. Il s'agit du versement d'une contribution exceptionnelle aux frais de structure pour l'année 2022 pour le syndicat intercommunal de restauration, le SIRMC. Syndicat intercommunal de restauration des villes de Massy, Chimazarin et Épinay-sur-Orge. Le Covid ayant eu un impact fort sur la trésorerie de ce syndicat, qui du coup se retrouve en difficulté, plusieurs actions conjointes ont été menées, une réflexion avec la préfecture pour essayer de trouver des solutions
et essayer de régler ce problème. Le SIRMC, de son côté, a pris plusieurs mesures d'économie, en particulier la non-reconduction d'un marché avec Sodexo, le détachement de l'équivalent de l'équivalent temps plein en charge du suivi de ce marché qui est du coup dédié à autre chose, la modification un peu du contenu des composants des repas et la recherche de nouvelles communes adhérentes. C'est en bonne voie, il y a 2 ou 3 communes de mémoire du nord du département qui seraient intéressées à adhérer à ce syndicat. Du coup, voyant la démarche vertueuse du syndicat, le préfet a accepté qu'une partie soit reprise sur les fonds propres du syndicat. Et la contrepartie, c'est que ce sont les communes de Massy, de Chimazarin et d'Épinay-sur-Orge qui prennent aussi à leur charge une part de ce déficit. Donc ce déficit pour la commune d'Épinay-sur-Orge, il s'élève à 28 000 euros. Que bien entendu, nous ne répercuterons pas sur le coût des repas facturés aux familles. Ça restera réglé par le budget communal. Et puis voilà. Cherchez la suite, mais il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Pas de questions, pas d'intervention ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Alors, délibération numéro 8 concernant la fourniture, livraison et gestion des tickets restaurants pour les agents de la commune et du CCAS, de la commune également. Je rappelle que ces prestations font l'objet d'un accord. Ce marché est la suite d'une décision qui a été prise en concertation avec les agents lors d'un précédent comité technique pour leur permettre d'obtenir quelques subsides supplémentaires pour leur permettre de compenser l'augmentation des coûts, en particulier des coûts alimentaires. Donc on a lancé un marché public qui a été examiné en commission d'appel d'offres le 24 novembre. Il s'agit d'un accord cadre mono-attributaire exécuté au fur et à mesure de l'émission des bons de commande avec un montant maximum annuel de 130 000 euros hors taxes. 3 sociétés ont fait acte de candidature. Et comme je vous disais, la commission d'appel d'offres, après l'avoir examiné et en avoir délibéré, a décidé d'attribuer le marché à la société Edenred. Ce que je voudrais préciser sur ce point, c'est que l'analyse des offres a été faite conjointement entre plusieurs services et bien évidemment le service des ressources humaines qui devra gérer cette prestation pour les agents. L'ergonomie de ce dispositif a été apprécié. Donc il s'agit plus de tickets restaurant comme avant, mais d'une carte. L'intérêt aussi qui a été trouvé par le dossier de Edenred, c'est la possibilité d'avoir, en plus de l'application sur téléphone, une plateforme téléphonique à laquelle les agents peuvent se référer s'ils ont des questions. Il n'y a pas de frais particuliers et les commerçants d'Épinay, s'ils sont adhérents, font partie de la liste des commerçants chez qui ces cartes peuvent être utilisés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des remarques ? Maurice Legouge. Oui. Auparavant, ils profitaient des repas des 4 fourchettes. Ils ne les trouvent pas assez bons ? Ou c'est une autre raison qui vous pousse à partir sur les tickets restaurants ? Alors, on part de rien du tout. Les agents continuent à pouvoir acheter les repas chez OSIRMC s'ils le souhaitent. Les tickets restaurants, c'est une mesure sociale supplémentaire. Enfin, c'est pas supplémentaire, ça n'a rien à voir, en fait. Certes, c'est de l'alimentaire pour les deux, mais il y en a un qui est la possibilité qui leur est laissée de commander leur repas. Et l'autre, c'est les tickets restaurants, comme dans n'importe quelle entreprise. Oui, puis ça répond à une demande qui a été formulée par les agents et à laquelle on accède. Ça n'a rien à voir. D'autres remarques ? Oui, monsieur Legouge. Oui ? Ayant mis le système en place au Civois,
Je voulais savoir quelle était la part qui sera prise en charge par la mairie et la part par le personnel pour chaque ticket. La part prise en charge par la commune est de 50% et celle par les agents 50%. Donc voilà. D'autres remarques, d'autres interventions ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci pour eux. Je garde la parole. Je parle beaucoup ce soir. Un autre marché public, l'adhésion au groupement de commandes d'assurance statutaire 2023-2026 proposé par le centre de gestion. Vous avez l'habitude que le centre de gestion, le CIG de Versailles, nous propose, entre autres services, l'adhésion à des groupements de commandes. Là, il s'agit du nouveau contrat groupe statutaire. C'est l'assurance, en fait, qui nous garantit les risques sur les décès, accidents de travail et maladies professionnelles, maternité, paternité, adoption pour les agents. Voilà, donc l'assurance... l'assurance prend le relais pour éviter que la commune ne soit obligée de payer tous ses frais. Quoi dire d'autre jusqu'à maintenant, l'assurance décès, accident de travail, maladie professionnelle avec une franchise de 30 jours fixe par arrêt était déjà, c'est quelque chose qu'on renouvelle en fait, c'était déjà présent dans le contrat d'assurance et on a rajouté maternité, paternité et adoption, sans franchise. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des interventions ? Je n'en vois pas. Alors, je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. La délibération suivante concerne toujours les ressources humaines avec la création d'emplois non titulaires à temps non complet pour le recensement de la population. On en a l'habitude, tous les ans on prend cette délibération. Il nous faut deux agents de manière incontournable pour procéder au recensement. Trois, ce serait mieux. Pour l'instant, on n'a qu'une seule personne qui s'est manifestée mais qui connaît très bien la commune. Et donc, il faut délibérer pour créer trois emplois d'agents non titulaires à temps non complet pour la période du 19 janvier 2023 au 18 février. Voilà. Des questions, des remarques ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Une délibération ensuite sur le tableau des effectifs qui modifie, donc le tableau des effectifs est modifié pour intégrer le contrat du nouveau directeur de la communication qui arrive lundi et qui remplace celui qui est parti. Ils avaient tous les deux un contrat à peu près similaire mais pas de la même durée, donc il faut mettre le tableau des effectifs à jour sur ce point. Et intégrer également le changement de grade d'un agent qui a réussi un concours et que je tiens à féliciter publiquement ce soir. Voilà. Des questions, des remarques ? Pascal de Gouge. Par rapport à la police municipale et du fait des cambriolages qui sont en augmentation à l'heure actuelle sur la commune, est-ce qu'il est prévu de changer, alors c'est une question que vous aurez à chaque conseil municipal, est-il prévu de changer les horaires et que la police municipale ne s'arrête pas de travailler à 16h45 lorsque ça commence ? Merci. Alors, la question est pertinente, mais sans rapport avec le tableau des effectifs, donc je n'y répondrai pas là maintenant. Je propose une réponse au prochain conseil. On a voté ou pas ? Je me souviens plus. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. T'es prêt ? Je passe la parole à Franck Barrière pour la délibération suivante. Donc, je vous présente une délibération relative à l'aide financière complémentaire au tremplin citoyen. La municipalité souhaite élargir ses actions jeunesse auprès des 15-25 ans et ambitionne de promouvoir l'engagement citoyen et les projets d'autonomie des jeunes spinoliens. Dans cette volonté, nous proposons de soutenir les jeunes spinoliens s'inscrivant
dans le dispositif départemental Tremplin Citoyen. Donc je vous présente ce dispositif Tremplin Citoyen. Donc la politique jeunesse du conseil départemental s'adresse aux jeunes essonniens de 16 à 25 ans et s'ancre sur deux valeurs fondamentales, développer une conscience citoyenne et accéder à l'autonomie. En développant la conscience citoyenne des 16-25 ans, le département fait de l'engagement citoyen des jeunes une expérience personnelle enrichissante et ou un tremplin pour découvrir un domaine, un milieu, une profession. En leur permettant d'accéder à l'autonomie, les jeunes expriment leur désir d'être accompagnés dans la réalisation de leurs projets par manque d'informations et de méthodes. L'aide financière du tremplin citoyen a pour vocation de financer une partie des projets individuels d'accès à l'autonomie des jeunes de 16 à 25 ans. Un projet entre 16 et 20 ans et un projet entre 21 et 25 ans. Elle prévoit donc 400 euros par projet jusqu'à 800 euros pour les 16-25 ans. Ce que l'aide financière soutient, donc le volet mobilité, financer une partie du permis de conduire, du pass Navigo, de la carte imaginaire. Concernant le volet études et formation, donc financer les frais d'inscription auprès des établissements d'enseignement supérieur, les centres d'apprentissage, les formations qualifiantes, ainsi que les fournitures spécifiques ou spécialisées nécessaires à la scolarité ou à la formation, le matériel et les équipements pédagogiques nécessaires pour la scolarité, ou le BAFA, le brevet d'aptitude au fonctionnement d'animateur. Le volet logement, donc financer des frais liés à l'emménagement et à l'installation dans un premier logement autonome, caution, achat de mobilier, électroménager, ouverture de compteurs électriques, ou un loyer, logement étudiant. Concernant le volet santé, financer le coût de la protection sociale étudiante de base ou complémentaire, ou des frais de santé non remboursés ou peu remboursés par les organismes de protection sociale. La convention communale de complément du financement des tremplins citoyens. La municipalité propose d'apporter une aide financière complémentaire de 100 euros aux 25 premiers jeunes spinoliens ayant effectué au moins la moitié de leurs 40 heures d'engagement auprès d'une association spinolienne ou d'un service municipal. Cette aide sera soumise à l'établissement d'une convention. Cette proposition permettra de soutenir les projets et l'engagement de ces jeunes et sera le prélude d'un accompagnement par les services municipaux et le service jeunesse en particulier. En fait, il nous semblait intéressant à la fois pour les jeunes de les inciter à s'engager au travers d'actions locales, soit pour la municipalité, soit pour une asso spinolienne, et donc du coup, par la même occasion, permettre aux associations spinoliennes de pouvoir accueillir des jeunes avec lesquels des fois ils sont un peu éloignés avec le temps, quoi. Voilà, donc dans ce cadre-là, cet abondement du tremplin citoyen vous est proposé et donc je propose au conseil municipal de statuer sur cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions ? Non. Je mets au vote alors. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. Ensuite, on passe à la modification du règlement du fonctionnement de la crèche familiale Les Petits Castors. Donc voilà, la délibération est affichée. Nous devons procéder à la modification de ce règlement pour mettre à jour le nombre de places et d'enfants accueillis. Il y a eu deux démissions, du coup ce ne sont plus 65 mais 45 enfants qui peuvent être accueillis par la crèche. Et à la demande de la caisse d'allocation familiale, il faut mettre en concordance le règlement de notre crèche avec la réalité des chiffres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes d'intervention ? Maurice Le Gouge. Pour mémoire d'avoir informatisé la facturation crèche dans les années 96-97, il y avait à l'époque plus de 36 assistantes maternelles. Et il y avait 4 personnes permanentes. Aujourd'hui, vous nous annoncez qu'il n'y a plus que 13 personnes.
assistante maternelle. Et il y a toujours les cadres permanents ou c'est des temps partiels? On prend note de la question et on vous fera un point précis au prochain conseil municipal. Je profite de l'occasion pour dire ici publiquement qu'on est à la recherche de nouvelles assistantes maternelles. Il y a un besoin qui est croissant. Et le problème, c'est que c'est un métier qui ne requiert plus ou pas assez, en tout cas, les vocations. Merci Laurence. Voilà. Et nous sommes à la recherche d'assistants ou d'assistantes maternelles. Voilà. On change de sujet. On n'a pas voté. Oui, c'est vrai. Qui vote contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci Vincent. Non, c'est l'unanimité. Si, c'est l'unanimité. Non, mais je te dis bien sûr. Bon. 6 abstentions et le reste pour. On change de sujet et on passe à un sujet technique avec. Pourquoi technique? Bon, bref, on passe à l'adhésion au groupement de commandes du CIG pour les assurances incendie, pour les assurances tout court, qui comprennent la dommage aux biens, la responsabilité civile, la RC et protection juridique, la flotte automobile et les diverses protections fonctionnelles. Donc ce sont des marchés complexes, compliqués à analyser, il faut bien connaître le sujet et nous a semblé plus judicieux de faire appel aux compétences du service dédié au centre de gestion pour adhérer au groupement de commandes et avoir notre qui se charge de la procédure à notre place pour la période 2024-2027. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je mets au vote, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Ensuite, un autre sujet technique, il s'agit de l'exploitation des installations techniques des bâtiments communaux et des logements de la commune. Les prestations consistent... Alors, là, je lis parce que c'est assez technique, il faut bien suivre. La commune souhaite confier à un professionnel l'exploitation des installations techniques des bâtiments, qui consiste en l'exploitation, la conduite, l'entretien, l'astreinte et la maintenance préventive et corrective des installations de production, de distribution, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation, traitement d'air et de climatisation. Ça, c'est la mission qu'on appelle P2. La mission P3 également... Prestation de gros entretiens, de renouvellement de matériel qui couvre les réparations et le remplacement à l'identique ou à fonction identique de tous les matériels déficients liés aux installations thermiques de façon à maintenir les installations en bon état de marche continue. Et enfin, la mission P5, prestation de travaux liés à la maintenance des installations thermiques relatives à la mise en conformité et ou l'amélioration des équipements. 4 entreprises ont présenté une offre qui a été... examiné à la même commission d'appel d'offres que tout à l'heure, le 24 novembre. Il s'agit des entreprises Veolia, Idex Énergie, Dalkia, qui est le candidat sortant, et SIEC. La société Veolia a été considérée comme l'offre la mieux disante et propose un forfait annuel de 74 838 € TTC pour la mission P2, 82 647,50 € pour la mission P3 et un maximum annuel de 60 000 € TTC pour la mission P5. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Gilles Dugast. Oui, juste pour vous dire que Veolia étant mon employeur actuellement, je m'abstiendrai pendant ce scrutin. Voilà. Merci. Des questions, des observations? Il ne prend pas part au vote. Hein. Oui. Il ne s'abstient pas, il ne prend pas part au vote. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Non, tu ne prends pas part au vote.
Tu sors ou tu vas sous la table, comme tu veux. On a dit pas trop de gens sous la table. Puis là, bon. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Donc du coup, c'est la majorité. Unanimité. Unanimité toujours. Bon, je vais me reposer un peu et je vais donner la parole à Nathan Fabreau. Merci, Madame la maire. La délibération numéro 16 porte sur l'avenant numéro 3 au marché de travaux de construction d'une médiathèque municipale et services partenaires et son lot numéro 2 parachèvement avec la société Bouget. La société Bouget est titulaire depuis le 5 avril 2019 du lot numéro 2 parachèvement du marché de construction d'une médiathèque municipale et services partenaires d'un montant initial de 708 075 euros hors taxes, soit 849 690 euros TTC. Un avenant numéro 1 et un avenant numéro 2 ont été conclus afin de permettre la mise en œuvre de travaux supplémentaires, portant le montant total du marché à 849 770 euros hors taxes, soit 1 019 724 euros TTC. Il est nécessaire de compléter les clauses du marché initial par voie d'avenant afin d'insérer une formule d'actualisation du prix forfaitaire. En effet, l'article 3.2 du cahier des clauses techniques, des clauses administratives particulières du marché stipule que les prix sont fermes et non révisables. Or, l'article 18 du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public dispose que lorsqu'un marché public est conclu à prix ferme pour travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à 3 mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations et que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de 3 mois à la date de début d'exécution des prestations. L'actualisation des prix est donc obligatoire. Elle se fera sur la base de l'index BT01 dans le respect de l'article 10.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché public de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 figurant parmi les documents généraux du marché. Le projet de délibération a pour objet d'approuver la conclusion de l'avenant numéro 3 au marché de travaux de construction d'une médiathèque municipale et services partenaires et d'autoriser Madame la maire à procéder à sa signature. Voilà pour cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Je n'en vois pas. Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. Tu gardes la parole, Nathan ? La délibération numéro 17 est également un avenant. Avenant numéro 1 au marché de travaux de construction de la médiathèque et des services partenaires, concernant le lot numéro 5 sur les appareils élévateurs. La société L2V Ascenseur, qui est une société par action simplifiée, est immatriculée sous le CIRN qui est indiqué dans la délibération et domiciliée à Bonneuil-sur-Marne, a été placée en liquidation judiciaire à effet du 21 juillet 2021. Elle était titulaire depuis le 9 juillet 2019 du lot numéro 5 appareil élévateur du marché de construction d'une médiathèque municipale et services partenaires. Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 21 juillet 2021, a confié à la société Fane France la responsabilité de poursuivre les contrats de la société L2V Ascenseur. La société Fane France présente les qualités et les capacités professionnelles pour assurer la continuation du contrat en cours. Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications du marché résultant du transfert de l'activité de la société L2V Ascenseur à la société Fane France. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Ah si, Maurice Le Gouge. Avec ces deux avenants, ça va bientôt être clos et couvert ? Ou vous considérez que c'est clos avec les panneaux de bois ? Alors nous, on considère rien du tout. On a beaucoup de mal avec l'entreprise qui fait laborieusement le boulot. Il est bien évident que les panneaux de bois sont provisoires, hein, pour éviter que le chantier ne s'abîme trop. Et il s'abîme déjà bien, hein, depuis tout ce temps, depuis toutes ces années. On peut faire un point au prochain conseil, peut-être, sur ce qui aura avancé depuis la dernière fois.
t'en prendras trois lignes. Oh, trois, quatre lignes, ça devrait aller. Merci d'avoir posé la question. Ah oui, on met aux voix. Donc, je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. La délibération numéro 18 n'a rien à voir et concerne la vie associative avec l'attribution de subventions projet aux associations Concert de la Gatinelle, l'Étoile et les commerçants du Val d'Orge. Donc vous êtes habitués maintenant à ces délibérations qui concernent la mise en place des subventions par projet aux associations. Donc comme vous le savez, les subventions constituent des contributions allouées par les autorités administratives dans un objectif d'intérêt général à des personnes morales de droit privé pour la réalisation d'une action, d'un projet d'investissement ou le financement global d'une activité. Pour aller plus rapidement, le présent projet de délibération a pour objet de fixer le montant de la subvention de projet allouée à l'association Les Concerts de la Gatinelle pour son projet de concert de Noël. En ce qui concerne cette association, c'est un cas particulier. Auparavant, les Concerts de la Gatinelle, qui est un participant du concert de Noël organisé par la municipalité depuis de nombreuses années, fournissait une prestation sur facture à la municipalité. Cette prestation est une prestation professionnelle ou semi-professionnelle qui permet de compléter le programme du concert de Noël. Et donc cette année, par la mise en place de ces subventions par projet, on a souhaité apporter un peu de transparence vis-à-vis des autres associations aussi sur la manière dont nous finançons les associations. Donc c'est pourquoi ce financement de cette intervention du concert de la Gatinelle est proposé dans cette délibération, et donc elle a un montant de 1 250 €. Ensuite, c'est une subvention de 500 € pour le projet de l'association des commerçants du Val d'Orge. L'association des commerçants du Val d'Orge est une nouvelle association. Elle réunit les commerçants de la galerie marchande du centre commercial Carrefour Market. Et donc l'association nous a sollicité pour un projet d'animation autour des fêtes de fin d'année pour animer la galerie marchande et proposer notamment des actions auprès des enfants et des familles. Donc une subvention qu'on propose ce soir au conseil municipal. Et pour finir, une subvention d'une demande de l'association L'Étoile qui va fêter cette année ses 50 ans et donc qui souhaite financer cet anniversaire. Lors de la commission, on a étudié la demande de l'association L'Étoile et on leur a demandé que cet événement soit ouvert aux Spinoliens. C'est l'une des conditions des subventions projet. Donc pour un montant de 400 €. Voilà pour ces explications. Merci. Alors, avant de donner la parole pour des éventuelles interventions, je tiens à préciser que Marie-Laure Luthier, conseillère municipale intéressée, ne prendra pas part au vote. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Je n'en vois pas, je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Je donne la parole à Olivier Marchaud pour la délibération suivante. Bonsoir, donc je vais vous proposer à étudier la délibération sur une convention d'occupation du domaine public par la société Paris-Gobac. Donc la société Paris, qui est une société spinolienne, donc Paris-Gobac, propose une activité ludique autour du vélo et du vélo tout-terrain, ainsi que des cours d'initiation, de perfectionnement, du coaching, des balades, des animations en vélo sur Paris-Île-de-France, et toute l'Île-de-France, pardon. Cette entreprise nous a sollicité en fait pour occuper le domaine public. Hein. Donc l'objectif donc de cette convention, c'est donc d'autoriser une occupation du domaine public un samedi par mois pour une durée totale de 6 mois à compter du 1er janvier 2023. Et cette convention n'est pas reconductible. Donc l'idée, c'est de tester en fait la pertinence de cette activité au niveau de la gare de Petit-Vaux. En fonction de résultats, si c'est quelque chose qui marche très bien, on passera certainement par une convention à l'issue d'un appel d'offres, voilà, pour que ça se fasse dans les règles. En tout cas, aujourd'hui, c'est uniquement limité à 6 mois. Donc, en complément, la commune n'affecte aucun moyen matériel ni technique à l'exécution de cette convention. Et donc, on propose de la mettre et la soumettre au vote, sachant que la redevance, ça sera de l'ordre de 100 €, je crois. 100 €, exactement. 100 €.
100 euros. 100 euros. Laisse tomber. 1-0-0. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Devant ce silence général, je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. Et là, je donne la parole à Sylvie Panzani. Merci, bonsoir. Je vais vous présenter une délibération assez technique qui concerne un avis de la commune d'Épinay sur le projet d'arrêté préfectoral de révision du classement sonore ferré de l'Essonne. Donc, pour résumer, le préfet de l'Essonne, au travers de la DDT, a saisi la commune cet été, en juillet 2022, pour l'informer d'un projet de nouvel arrêté préfectoral pour approuver un classement sonore des réseaux ferrés gérés ou exploités par la SNCF, la RATP et Île-de-France Mobilité dans le département de l'Essonne. Donc, nouvel arrêté qui viendrait réviser l'arrêté préfectoral actuel qui date de mai 2003, qui concerne le classement sonore des voies ferrées des différentes communes du département. Donc, il faut savoir que cet arrêté intervient dans le cadre d'une loi qui date de 1992, qui est la loi Bruit, qui est retranscrite dans le Code de l'environnement et qui institue un classement sonore des infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic, donc des nuisances sonores et du trafic qu'elles génèrent. Cette loi Bruit, elle a pour objectif de réduire les nuisances sonores en fixant des objectifs de qualité pour les voies nouvelles et les voies existantes, donc les infrastructures, et elle vise aussi naturellement à protéger les habitants et les usagers en imposant des normes d'isolation phonique pour les bâtiments nouveaux venant à être édifiés à proximité de ces infrastructures de transport. Donc, toujours pour l'arrêté, donc cet arrêté, il est toujours annexé aux documents d'urbanisme pour information quand les autorisations sont concernées par ce type de contrainte. Et donc, dans ce cadre-là, et conformément au Code de l'environnement, le préfet a demandé à la commune de se positionner au travers d'un avis sur ledit projet de nouvel arrêté, avec une date butoir reportée au 31 décembre 2022. Donc, la délibération de ce soir répondra à la demande du préfet. Donc, toujours pour information, donc à ce jour, il faut savoir que la commune d'Épinay, elle est concernée par deux catégories de classement. Donc, sur le tronçon C4-C6, qui en gros correspond à la gare d'Épinay et à la ligne associée, donc c'est la catégorie 1 qui s'applique. Et sur l'autre ligne qui traverse Épinay, donc le RER C8, donc la station de Petit-Vaux et la ligne associée, c'est la catégorie 2. Et donc le projet de révision proposé par le préfet et qui est établi cette fois sur des normes plus récentes et notamment un arrêté qui date de 2013, prend en compte de nouveaux calculs donc il prend en compte des spécificités de bruit de transport ferroviaire en introduisant des seuils, des éléments de calcul et ainsi et également la prise en compte d'évolution en termes de fonctionnement de ligne, de données de trafic, en pondérant tous ces éléments-là pour réactualiser donc les seuils équivalents aux différentes catégories. Donc les catégories évoluent en moyenne de 1 à 2 dB par niveau de catégorie. Et par ailleurs, les services de l'État, pour consolider l'évolution, précise que les lignes ont évolué, que ça prend en compte un certain nombre de livres blancs, de schémas directeurs, donc qui permettent de justifier donc le positionnement vers un nouveau classement. Donc, au regard de ces considérations, le nouveau classement qui est proposé sur la commune d'Épinay devient le suivant. Donc, au lieu d'avoir un classement sur deux catégories, on passe à trois catégories. Seule une toute petite partie du tronçon C4-C6 reste en catégorie 1. Donc, ça concerne la partie qui va vers Savigny avant la séparation des deux branches.
pour ceux qui visualisent. Donc ça, ça reste en catégorie 1. Par contre, la majeure partie du réseau, donc celle qui concerne la gare d'Épinay et la ligne associée, passe en catégorie 2. Et celle qui concerne la gare de Petit-Vaux et la ligne associée, donc la partie tram-train, passe en catégorie 3. Et enfin, une nouvelle catégorie est créée concernant Épinay, c'est la nouvelle ligne de tramway T12, donc sur la partie nouvellement créée, et qui est ajoutée. Donc cette évolution, on en prend acte, mais pour autant, on considère que cette dégradation de catégorie peut poser question dans la mesure où le tissu urbain autour des gares se densifie, qu'il y a néanmoins toujours des impacts de nuisances sonores importants, que la vitesse commerciale a pu évoluer et s'est dégradée, donc les vitesses finalement peuvent quand même générer du bruit, et surtout le trafic fret qui doit être davantage développé pour des questions environnementales, et on sait que ce sont des déplacements qui génèrent des nuisances sonores. Donc en conclusion, face à la proposition de ce nouvel arrêté préfectoral, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à ce projet d'arrêté qui vaut révision du classement sonore des réseaux ferroviaires en ce qui concerne en tout cas la commune d'Épinay, et de demander le maintien de l'ensemble des tronçons dans leur catégorie actuelle avec les secteurs affectés par le bruit dans les largeurs actuelles, et tout en incluant naturellement l'infrastructure nouvelle du tramway T12. Voilà, j'en ai fini. Merci Sylvie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Adrien Futol. Oui, bonsoir. Je voulais juste, là où j'étais pas tout à fait d'accord, avec, sur le fond on est d'accord, hein, sur le défavorable, sur réduire le périmètre, il n'y a aucun problème pour ça, parce que bon, comme c'est cité un petit peu dans la délibération, le classement sonore implique des conséquences sur les constructions nouvelles. Il y a juste pour moi un terme où je suis pas d'accord dans la délib, c'est sur annexer le document à caractère informatif. En fait, c'est un arrêté préfectoral, c'est pas informatif. C'est-à-dire qu'il y a un périmètre qui est cartographié, qui est matérialisé et qui doit être respecté. C'est-à-dire que donc à moins de 300 mètres de la voie, ça se matérialise au niveau du permis de construire. C'est-à-dire que le constructeur devra fournir une attestation phonique comme quoi il respecte les normes de l'arrêté en question quand il passera à l'arrêté. Voilà, donc c'est une vraie conséquence. Et par exemple, dans le PLU, ça se matérialise aussi. Par exemple, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions de l'arrêté numérotant. Voilà, c'était juste pour le petit complément. Donc pour moi, c'est dès lors où c'est opposable, on n'est plus sur de l'informatif. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un souhaite attaquer un permis de construire sur la non-conformité de la construction, toujours par rapport à cet arrêté, il pourra le faire. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec la rédaction qui est ambiguë. Naturellement, l'arrêté préfectoral, il est prescriptif. C'est le fait qu'il soit mentionné qui donne un caractère d'information supplémentaire. Mais peut-être on peut reformuler la délibération dans ce sens pour que ce soit complètement clair. Bien, merci à tous les deux. Effectivement, on corrigera la délibération dans ce sens. Vous avez raison. Merci. Comme d'autres personnes, je ne prendrai pas part au vote, étant donné que je travaille dans une entreprise ferroviaire de service public. Pour les mêmes raisons, je ne prendrai pas part au vote non plus. Bien, je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci, à l'exception des deux personnes, des deux élus qui n'ont pas pris part au vote. On a bien compris. Olivier, tu prends la parole, s'il te plaît. Donc, nous allons basculer sur un tout autre sujet. Donc, c'est un projet de délibération pour une participation financière de la commune aux frais liés à la destruction des nids de frelons asiatiques identifiés chez les particuliers. Donc, pour rappel, le frelon à pattes jaunes, dit frelon asiatique, est un frelon invasif dont la présence en France a été signalée pour la première fois dans le Lot-et-Garonne en 2004. Son installation rapide et massive en France présente une triple menace sur le plan sanitaire et humain,
grande agressivité de l'espèce si elles se sont attaquées. À titre d'info, en 2021, il y a eu 123 attaques de frelons asiatiques qui ont été répertoriées sur un des portails de gens qui éradiquent les frelons asiatiques. Voilà. C'est un très fort prédateur pour les populations d'insectes et c'est un destructeur des essaims d'abeilles. Pareil, le frelon asiatique a été classé fin 2012 par arrêté ministériel en danger sanitaire de deuxième catégorie par l'abeille domestique. Malheureusement, la destruction de nids dans les propriétés privées est souvent peu réalisée du fait du coût financier de l'opération. Aussi, une participation de 50 euros par nid sera accordée à réception de la facture de destruction dûment exécutée par un professionnel qualifié. Nous avons à peu près estimé le nombre, à peu près une dizaine de nids, enfin de sollicitations qu'on pourrait avoir de spinoliens par an, c'est pour donner une jauge. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir une démarche en termes de sécurité sanitaire sur épinay en subventionnant les destructions chez les spinoliens. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce sujet ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. Et nous allons passer encore sur un autre sujet. Donc c'est une délibération qu'on prend systématiquement au mois de décembre de toutes les années. Donc c'est une délibération qui est pour la dérogation du maire au repos dominical dans les commerces de détail pour l'année 2023. La loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, a élargi les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche en portant de 5 à 12 au maximum le nombre de dérogations susceptibles d'être accordées au repos dominical. La commune d'Épinay-sur-Orge a reçu des demandes de Picard surgelé pour l'ouverture de 4 dimanches et de Carrefour Market pour l'ouverture de 12 dimanches. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur la proposition d'autoriser Madame la maire à accorder les dérogations au repos dominical pour les commerces de détail cités ci-dessus. Donc en complément, c'est la même chose que l'année dernière, il n'y a pas eu d'évolution d'une année à l'autre. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Pas de prise de parole. Alors je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. Et pour terminer, une motion présentée par Laurence Castin. Alors, elle est un peu longue. Je préfère prévenir à l'avance. Ne vous endormez pas sur vos pupitres. Donc, c'est une motion relative à la situation préoccupante des finances locales. Les communes et intercommunalités doivent actuellement faire face à une situation financière sans précédent. Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l'inflation à son plus haut niveau depuis 1985 va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 milliards d'euros. Les coûts de l'énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement des communes et de leurs intercommunalités. Enfin, l'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 milliards d'euros pour nos collectivités. Après 4 ans de baisse de dotation de 2014 à 2017, la réduction des moyens s'est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal. Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales à hauteur de 15 milliards d'euros d'ici 2027 par un dispositif d'encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités. Ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas. Les collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites.
Depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un montant de 46 milliards d'euros, a conduit à l'effondrement des investissements, alors que les comptes de l'État n'ont fait apparaître aucune réduction de déficit. Celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu'en 2014, soit 3,5% du PIB. Face à l'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en euros constants des ressources locales pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d'achat des ménages. Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l'urgence est également de soutenir l'investissement public local, qui représente 70% de l'investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie. Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leur mission d'amortisseur de crise. Par cette motion, la commune d'Épinay-sur-Orge soutient les positions de l'Association des maires de France qui propose à l'exécutif d'indexer la DGF sur l'inflation 2023 afin d'éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour engager une réforme globale de cette DGF, visant notamment à réduire les écarts injustifiés entre différentes dotations. De maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation harmonisée, l'IPCH, de novembre 2022, estimé à plus 6,8%. Soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l'IS, impôt sur les sociétés, la CVAE n'est pas déconnectée des performances de l'entreprise, elle n'est pas un impôt de production, mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d'implantation. Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution locale sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et ou d'assiette. Dans l'attente d'un dispositif élaboré avec les associations d'élus, la commune demande un dégrèvement permanent permettant une compensation intégrale. De renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale. Les 15 milliards d'euros de restrictions de dépenses imposées aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population, car c'est autant de moyens en moins pour financer l'offre de services. De réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrain dans l'assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d'avoir accès à nouveau au FCTVA pour l'aménagement des terrains concernés. De rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation des crédits votés en loi de finances. En particulier, la commune demande la suppression des appels à projets et pour l'attribution de la DSIL, l'instauration d'une commission d'élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet du département. Cette même logique doit prévaloir pour l'attribution du fonds vert. La commune demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d'appréhender l'ensemble des projets éligibles. Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même dossier puisse servir à l'instruction de l'attribution des deux dotations. Concernant la crise énergétique, la commune d'Épinay-sur-Orge soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des associations d'élus de créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les collectivités locales éventuellement assorties d'avances remboursables,
de permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière de nouveaux contrats de fourniture d'énergie lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables, de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence, quelle que soit leur taille ou leur budget. Voilà la motion que je vous propose de signer. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très technique hein, et c'est long, mais on voit bien ce à quoi on espère ne pas s'attendre, c'est-à-dire une réduction drastique de nos moyens, alors que les collectivités territoriales participent à une hauteur importante au PIB de ce pays. C'est juste incompréhensible. Je pense qu'on est toutes et tous élus d'accord pour sur ce point. Cette motion sera adressée à nos sénateurs, à la Première ministre, au président de la République, et j'ai dû oublier, je ne sais plus, député, oui, parlementaire, député, sénateur. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Prise de parole ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. Bon. Alors, on a épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je donne quelques précisions sur les décisions qui ont été prises, qui ont été signées récemment. 5 relatives à l'achat de véhicules à la suite d'un marché public déclaré infructueux. 5 décisions. Une décision relative à la fourniture de repas pour les enfants de la halte garderie, 2 décisions liées aux espaces verts, prestations de tonte, achat de matériel, 4 décisions relatives à la voirie, désherbage des rues, réparation, achat de signalétique et d'outils, 2 décisions concernant l'entretien des bâtiments, achat de matériel, 4 décisions relatives à des formations des agents des services techniques ou des journées pédagogiques, 1 décision dans le cadre des activités culturelles, spectacles, 4 décisions relatives à des demandes de subventions. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Si, Pascal Legouge. Donc, il y a un achat de 5 véhicules pour remplacer certains qui étaient nécessaires. Moi, ce qui me pose comme question, ce que nous, on s'est posé comme question, c'était par rapport au véhicule Suzuki Vitara pour la police municipale. La police municipale devant être une police de proximité, du fait que la commune n'est pas si étendue que ça. Est-ce que en plus un vélo, puisque c'est dans l'air du temps, un vélo ou à pied proche de la population ne serait pas mieux ? Alors, la question est intéressante. Alors, je rappelle qu'un vélo ne remplace pas une voiture, on ne fait pas tout à fait la même chose. Les policiers municipaux réfléchissent effectivement à cette possibilité. La voiture permet d'aller beaucoup plus loin et surtout de transporter du matériel. Et maintenant qu'ils sont 4, il faut 2 voitures, un véhicule pour chaque équipe et chaque équipage de 2. Alors, pourquoi ce véhicule-là et pourquoi 19 000 euros ? C'était, alors, vous le savez aussi bien que moi, c'est un secteur qui est en tension en ce moment. En fait, on a acheté ce qu'on trouvait, puisque le marché a été infructueux. 19 000 euros pour un véhicule de cette qualité, bon, j'estime que ce n'est pas si coûteux que ça. De toute façon, très sincèrement, on n'a pas eu trop le choix. Voilà. Alors, moi, la police municipale, personnellement, je ne la vois qu'au niveau des écoles, que ce soit Paul Valéry à côté, les Templiers ou l'école Albert Camus. Est-ce nécessaire d'avoir un véhicule pour aller juste aider soit les enfants à traverser, soit éviter que les parents se garent un petit peu partout ? Je ne suis pas certain. —
Donc, enfin, concernant les déplacements de la police municipale, bien évidemment, au regard de la topographie d'Épinay, il y a nécessité, hein, quand on les fait intervenir au Breuil, ensuite qu'on leur demande d'aller au Morgard, de pouvoir effectivement avoir un véhicule. Et puis, l'action de la police municipale ne s'arrête pas à ce que vous en voyez, monsieur Le Gouge. Donc, bien évidemment, on leur demande d'assurer, je dirais, un minimum d'action au niveau des sorties et des sorties des écoles. Mais heureusement que leur action s'étend au-delà, quoi. C'est effectivement un moment où ils sont visibles, mais il y a bien d'autres missions qui sont confiées à la police municipale. Voilà. Et... juste parce que c'est une marotte régulière, hein, par rapport au manque de visibilité que vous pouvez décrier, mais clairement, aujourd'hui, donc avec 4 personnes donc en service en ce moment, voilà, on essaie d'optimiser au maximum leur présence sur le territoire spinolien. Ils sont engagés dans beaucoup d'événements municipaux. Ils sont engagés également sur les problématiques de circulation. Ils sont engagés sur les problématiques de stationnement. Enfin voilà, m'intéresser à l'activité, et notamment en lien avec la présence aux abords des écoles et les conditions de circulation aux abords des écoles. Voilà, je peux vous dire que voilà, ils sont actifs. Alors effectivement, ils travaillent pas la nuit, mais je pense qu'on n'est pas dimensionné aujourd'hui et budgétairement également pour avoir une police municipale qui peut suppléer la police nationale, quoi. Alors on reviendra sur ce sujet de police municipale, on fera un point lors d'un prochain conseil. Je tiens à préciser qu'ils ont procédé à une interpellation il n'y a pas très longtemps, il y a la semaine dernière, et pour ça ils ont besoin d'une voiture. Pour. Oui, les policiers municipaux ont procédé à une interpellation. Les ASVP n'ont pas le droit. Non, mais les ASVP sont occupés à autre chose. Ils ont d'autres missions. Et ils ne font pas que. Ils ne font pas que distribuer des. Que verbaliser. Voilà. On va passer aux questions de l'opposition. Maurice Le Gouge, vous avez une question à poser. Oui, merci. Le groupe Épinay Demain souhaiterait faire une suspension de séance afin de laisser la parole, si vous nous l'autorisez, à un collectif de spinoliens qui est justement dans la salle ce soir. C'est pour ça qu'il y a autant de monde d'ailleurs. Je ne peux pas accéder à cette demande parce qu'elle n'est pas dans le règlement intérieur et on n'a pas été prévenu. Donc je ne peux pas malheureusement donner la parole à ce collectif. Mais je suis, et on est tous, à la disposition du collectif pour les recevoir en mairie. Alors, Maurice Le Gouge, vous aviez posé une question. Un micro, s'il vous plaît. Vous y avez partiellement répondu tout à l'heure en parlant du précédent compte-rendu, mais ma question était un peu plus précise. En parcourant la ville et surtout les chantiers de construction, j'ai constaté que toutes les autorisations ne sont pas affichées et que celles qui sont visibles affichent des RODP très différentes. Pourriez-vous nous donner un tableau avec tous les chantiers, ce que vous nous avez montré, mais avec aussi les montants par thème, pour les grues, pour les utilisations de la voie publique, pour le blocage des trottoirs, pour les clôtures, pour les rues fermées à la circulation, totale ou partielle. Le tableau que je vous présente est le tableau qui répond à votre question. Et on vous l'enverra par voie dématérialisée. Tu veux compléter ? Non, je vais juste compléter pour le calcul qui n'est pas forcément un calcul trivial. Hein. Si on prend, par exemple, le montant pour le survol d'une grue, il faut calculer en fait par rapport
au survol et la gération de la grue, la zone qui est sur le domaine public, donc il y a un calcul qui se fait. Donc là, il faudrait qu'on vous le détaille vraiment de façon un peu plus précise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mis le montant complet. Voilà, donc c'est à chaque fois, c'est un calcul spécifique opération par opération. C'est pour ça qu'il peut y avoir des divergences, parce que le survol d'une grue peut être totalement différent d'une grue à l'autre. Non, mais donc là, effectivement, on n'a pas mis le détail, mais on peut vous donner le détail. Pascal Legout, j'avais une deuxième question à poser. Madame le maire, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement du cimetière et de la manière dont il est géré, s'il vous plaît ? Le cimetière d'Épinay-sur-Orge est un cimetière communal. Son fonctionnement répond aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Le règlement intérieur a été modifié par arrêté en 2021, applicable au 1er janvier 2022. Et il est en ligne, accessible par tout le monde, en accès libre. Alors, d'accord, je prends bien note de ce que vous nous dites. Je me réfère à une situation qui s'est passée au mois d'octobre, suite au décès d'une ancienne institutrice, à qui vous avez... pour qui ? Dont vous avez refusé l'accès à une concession à sa fille afin d'y mettre sa mère qui avait donc travaillé plus quasiment 30 ans sur la commune. Et justement, dans ce fameux texte, le juge des référés, avec l'ordonnance du 20 octobre 2022, a demandé et a invalidé votre décision. Ce qui est dommage, c'est que cette décision-là a fait que la personne a dû être enterrée sur Chilly-Mazarin, puisque la décision du juge des référés est arrivée le jeudi, alors que l'enterrement se faisait le vendredi. D'accord ? De ce fait, le groupe Épinay-Demain souhaite, suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Versailles, que... On propose et on demande à ce que la prise en charge par la commune des frais d'exhumation et de transfert d'un montant de 6 334 euros soit pris en charge par la commune de manière à rétablir ce préjudice moral, sachant que, quoi qu'il en soit, il y aura de toute façon d'autres suites au niveau judiciaire par rapport à ça. Merci. Alors, le sujet que vous évoquez n'est pas directement en lien avec votre question. Vous me demandez le fonctionnement et la gestion du cimetière. Je vous réponds sur le fonctionnement et la gestion. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé. Merci. Vous parlez suffisamment fort pour qu'on puisse vous entendre. Mais je vais répondre. Je vous ai écouté attentivement. Donc, vous allez faire de même, s'il vous plaît. Je vais vous répondre... Je trouve ça... Il s'agit d'un sujet grave qui a ému tout le monde. Et je ne pensais pas que... Alors, je ne vous demande pas de me faire des procès d'intention, merci. Je ne pensais pas que vous auriez le manque de pudeur d'étaler ça à nouveau publiquement devant tout le monde. Je vais répondre. Pour être enterré à Épinay, il faut soit y vivre, y habiter, soit y être décédé, soit avoir un caveau. Ce qui n'était pas le cas de cette malheureuse maman décédée qui... Elle n'habitait pas Épinay, elle n'y est pas décédée, et au dire de sa fille, il n'y avait pas de caveau. Or, j'ai appris plus tard qu'il y en avait un quand même. Mais bon, c'est une autre histoire. Et il faut savoir que cette personne, la fille, a confondu inhumation et achat d'une concession. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas accédé à l'inhumation pour les raisons que je viens d'évoquer. En revanche, je ne peux pas m'opposer à l'achat d'une concession. Mais ce n'était pas la question de la dame le jour où elle s'est présentée en mairie. Je l'ai reçue le 3 jours après, donc le lendemain du week-end. Je lui ai demandé de me faire un écrit, parce que là, jusqu'à présent, tout était
oral, il n'y avait aucun écrit. Moi, quand je, enfin moi, nous, quand on traite un dossier, quel qu'il soit, il faut qu'il parte d'une demande écrite. Donc je lui ai demandé de me faire une demande écrite à laquelle j'ai répondu immédiatement et par laquelle je lui disais que je ne pouvais pas m'opposer à la vente d'une concession. Et 5 minutes avant l'audience, nous avons été contactés par le tribunal de Versailles qui nous a demandé pourquoi la commune n'était pas représentée. La commune n'était pas représentée parce qu'elle n'a pas été conviée. Donc le juge a jugé sur des dires qui ne reposaient sur aucun écrit et la commune d'Épinay-sur-Orge n'a pas pu se faire entendre. Dès qu'on a eu l'ordonnance, on a fait savoir à cette dame, à la fille donc, on a communiqué l'ensemble des pièces qui étaient nécessaires à l'achat de la concession. Et je, pour ce qui est de la suite que vous évoquez, ça se passe par voie d'avocat. Je n'ai pas à répondre en conseil municipal à une demande qui a été formulée par une personne privée et qui sera traitée par voie d'avocat. On clôt le sujet. D'autres choses par rapport à vos dires. Là, en l'occurrence, vous me dites que je remets ça sur... Alors, je rassure tout le monde, la fille de la personne décédée est au courant que j'allais parler d'un sujet. Elle ne l'était pas par rapport au fait que le groupe allait demander que la commune prenne en charge les frais. Mais je prends bonne note de ce que vous me dites. Dans le Parisien, vous avez, dans le Parisien du 25 octobre 2022, vous avez répondu donc à un interview où vous dites « Nous sommes une commune de 12 000 habitants, je pouvais difficilement faire une exception, je dois pouvoir garder de la place pour les personnes qui vivent à Épinay. Selon l'élu, la capacité alors là donc, d'accueil du cimetière est pratiquement atteinte. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de gestion suivie dans ce cimetière, reprend Muriel Dorland. Lorsque j'ai repris la municipalité, nous n'avons retrouvé que des bouts de papier, là je m'inscris en faux, qui traînaient un petit peu partout. Nous sommes en train de remettre de l'ordre. Il existe par exemple un espace RB de bonne taille. Le plan du cimetière indique un maillage de tombes, mais nous ne savons pas s'il y a du monde dessous. On ne peut pas utiliser cet espace sans certitude. Or, à l'heure actuelle, effectivement, il n'y avait jamais eu de caveau d'installer du côté de la tombe de Monsieur Jeu, notre ancien maire. Or, il y en a une à l'heure actuelle. Donc, si vous ne savez pas, et ce qui date un petit peu, donc, si vous ne saviez pas au mois d'octobre ce qu'il y avait dessous, pourquoi est-ce qu'il y a un caveau qui a été autorisé à cet endroit-là? Et d'autant que ce n'est pas vrai qu'il n'y avait que des bouts de papier, puisque les personnes des mandats précédents avaient tout informatisé. Sachant qu'en plus, il y a, entre 140 et 250 tombes qui sont arrivées à échéance, donc sur lesquelles il y a des petites plaques, où les personnes sont depuis des années à qui on demande de venir soit renouveler soit d'arrêter. Donc il y a un manque de gestion sur ce cimetière puisque vous dites qu'il manquait que 8 places. Je ne vous le fais pas dire puisque les reprises de concession n'ont jamais été à leur terme. Les plaques ont été déposées sur les tombes mais la suite n'a jamais été effectuée, c'est-à-dire que les reprises de concession n'ont jamais été faites. Avec les agents, on a passé pas mal de temps à essayer de retrouver les plans. On a retrouvé un plan papier qui faisait à peu près l'affaire. Pour ce qui est du système informatique, il n'était pas à jour et il était incomplet. Il n'avait jamais été ou peu été complété. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. En octobre, effectivement, avant les reprises de concession qui ont été faites depuis, le cimetière avait atteint pratiquement sa capacité d'accueil. Et l'exception qui était demandée par la personne dont on parle depuis tout à l'heure, je pouvais pas y accéder parce que d'une part, je manquais de place, enfin le cimetière manquait de place, et d'autre part, si je fais une exception pour cette dame, je fais une exception pour toutes les familles qui me font la même demande, dans un souci d'équité. Voilà, je pense qu'on a clôturé le sujet, à moins que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose. On clôt le sujet, on en a assez parlé comme ça.
C'était informatisé, mais c'était incomplet. Et ça n'a pas été mis à jour. On a racheté un logiciel et on est en train, petit à petit, de le remettre à jour. Il y avait les deux. Il y avait un logiciel incomplet et des bouts de papier, enfin des plans. Je n'accuse rien du tout. Je dis simplement. Eh bien, écoutez, je veux bien que vous me donniez les documents, parce qu'on est à leur recherche. Et en plus de ça, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Non. Bah si, 98, 99. Bon, écoutez, ça suffit. Je close cette conversation, ça suffit. Je donne la parole à Nathan Fabreau qui doit nous présenter les événements qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Vous vous présentez, pas de souci, on vous laisse entre vous. Je dois aborder les festivités de fin d'année. C'est très important, effectivement, les festivités. Il n'y a que là-dessus que vous êtes super bon. Nous entrons dans la période des fêtes et donc... Et donc, un programme d'animation est proposé aux Spinoliens à partir de ce week-end. Dimanche matin, le traîneau du Père Noël fera le tour de la commune avec les conseils de quartier de 8h30 à midi. Et ensuite, de 10h à 19h, un marché de Noël sera proposé sur l'esplanade de la mairie. Et il se conclura par le traditionnel concert de Noël dont on a parlé tout à l'heure, en partenariat avec les associations spinoliennes, le conservatoire de musique, Ars Cantoria, les Amis de l'Orgue, les concerts de la Gâtinelle et la troupe du Cab. Voilà, nous espérons vous y retrouver nombreux. Merci Nathan. Ce conseil municipal est terminé. J'adresse tous mes remerciements à tous les agents communaux, à la direction générale qui est assise derrière moi pour la préparation de cette séance. À Kevin et Corentin, on a une opposition qui s'en va bruyamment. Hein. Pas très discret tout ça. Je signale juste que Sandrine Bouvier s'est absentée, enfin, et a quitté la séance à 21h17, je crois, mais comme le quorum était toujours présent, la séance pouvait continuer à se tenir. Merci, je disais donc, à Kevin et Corentin pour la captation de cette séance. Merci à Madame Jessica Bitimi, qui est notre sténotypiste et qui va nous faire un compte-rendu très, très, très précis, au mot près de tout ce qui a été dit. Je vous souhaite à tous et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Ce conseil municipal est en principe le dernier pour 2022 et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.